Canadiens français, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Il y a 50 ans aujourd'hui, le 16 octobre au matin, une vague d'intrusion dans des centaines de résidences privées commençait. La loi des mesures de guerre avait été proclamée à 2 heures du matin par l'État fédéral. Elle suspendait les libertés civiles et ouvrait la porte aux abus. Pourquoi? Parce que des actes de violence de deux groupes felkistes, qu'on suivait déjà à la trace, avait fait germer dans l'imaginaire fédéral l'idée qu'une insurrection était en cours de préparation par des milliers de felkistes. J'ai été moi-même pris dans ces rafles à cette heure-ci, vers 5 heures du matin. Je ne demande pas d'excuses personnelles, mais des excuses envers la nation canadienne-française dans son expression québécoise. C'est cette nation qui était visée et malmenée par Ottawa qui, encore une fois, reprenait son œuvre de répression violente d'un nationalisme en plein essor. Car en effet, comment peut-on croire que l'on puisse déployer 10 000 soldats dans des rues paisibles pendant des semaines jusqu'en décembre, que l'on procède à plus de 30 000 perquisitions et interrogatoires, et que l'on emprisonne 500 personnes sans qu'il n'y ait derrière des objectifs politiques. Le motif d'une insurrection appréhendée n'aura été qu'un prétexte à ce branle-bas de combat. Les États occidentaux modernes, membres de l'OTAN et bien reliés entre eux par l'intégration de leurs services de renseignement, ne lance pas de telles opérations sans y avoir réfléchi. Croire qu'il s'agissait là d'une pure improvisation, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Le refus de rendre publique la totalité des archives par les autorités, 50 ans après les faits, ne peut que renforcer toutes les présomptions. Si ces documents sont encore soustraits à la vue du public, c'est qu'on veut toujours cacher quelque chose. Selon toute vraisemblance, octobre 1970 était une démonstration de force pour impressionner la population et la plonger dans la stupeur. Les conséquences de l'opération se prolongeront d'ailleurs pendant des décennies. La première conséquence a été la démobilisation des membres du Parti québécois. Une quarantaine de comtés se retrouvèrent soudainement sans exécutif. On avait pris bonne note de la brutalité dont était capable l'État canadien. La deuxième conséquence a été le renforcement de la mise à l'écart des militants les plus déterminés du PQ. La direction du parti prit cette voie pour se mettre à l'abri de toute association avec le terrorisme, mais privée de ses éléments dynamiques, le camp nationaliste se placera sur la défensive après avoir pourtant marqué des points pendant une bonne décennie. Par exemple, de l'opération McGill français, qui avait fait descendre 15 000 personnes dans les rues, il n'en restera rien. Cette époque de revendications audacieuses était maintenant révolue.
La troisième conséquence me permet de rattacher la loi des mesures de guerre avec l'adhésion de Claude Morin au Parti québécois en 1972 et la réduction des pouvoirs de l'État du Québec qui sont suivis. Un recul auquel le Parti québécois consentira avec l'adoption de la stratégie référendaire en 1974. Sans octobre 70, on peut douter qu'une stratégie référendaire paralysante, incompatible avec nos traditions parlementaires plus souples, aurait pu passer si facilement. D'aucuns persistent à dire qu'octobre n'aura eu aucune influence durable. En appui, on rappellera que le Parti québécois a été élu en 1973, seulement 6 ans plus tard. Mais on oublie de dire qu'entre-temps, il avait changé de programme. On oublie de dire qu'avec ce changement de programme, il s'était interdit, non sans absurdité, de réclamer des négociations constitutionnelles sur son option immédiatement après une victoire électorale. Maintenir que rien n'a été prémédité, c'est refuser de tenir compte de l'intérêt politique qu'avait le fédéral à tuer dans l'œuf un nationalisme devenu trop confiant en lui. Nous réclamons l'ouverture complète des archives fédérales afin de mieux comprendre jusqu'à quel point l'échec ultérieur du Parti québécois peut être lié et expliqué par la démonstration de force d'octobre 1970. Tous les projecteurs doivent se tourner sur Ottawa, dont le refus persistant de rendre ses archives publiques 50 ans après les faits ne peut raisonnablement s'expliquer que par des motifs inavouables. Mais faute de mieux, entre-temps, on peut estimer qu'octobre 1970 continuait la tradition de l'État profond canadien, commencée avec la conquête. Une tradition qui s'établira ensuite dans la démesure des répressions qui jalonnent notre histoire. Par exemple, la révolte des Patriotes de 1837-38 sera réprimée par une violence démesurée, génératrice, elle aussi, de stupeur et de traumatisme national. Deux thèses s'opposent. Pour la première, le fédéral aurait agi avec une force excessive, mais tout était improvisé. Pour la deuxième, la nation canadienne-française continue d'être opprimée sur le plan national. Elle sera mise en minorité au Québec même d'ici quelques décennies, et le Canada ne nous laissera jamais la liberté de bonne grâce. Il ne relâchera pas les mâchoires de l'étau dans lequel il nous tient, il nous achèvera plutôt. La pérennité et la prospérité de la nation fondatrice du Canada lui impose de coller à son identité historique qui fonde la légitimité de ses revendications d'émancipation politique. Il faut réunir la nation sous son drapeau et réclamer la reconnaissance statutaire de la nation canadienne-française auprès de l'État du Québec d'abord et ensuite auprès de l'État fédéral. De l'avis de la Fédération des Canadiens français, ces étapes sont indispensables à la reprise en main de notre destin. C'est aussi une manière de dire au fédéral qu'octobre 1970 n'a pas eu raison de notre détermination.